c'est Kali, ravie de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose de réaliser un shampoing crème basé essentiellement sur des plantes mais qui procure une légère mousse. Chez certains d'entre vous, la mousse est un problème crucial. S'il n'y en a pas du tout, vous n'avez pas l'impression que ça lave, bien que ce soit une idée reçue, je vous propose une alternative ici. Mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. N'oublie pas non plus d'activer les notifications en cliquant sur la cloche pour être toujours alerté des prochaines vidéos. Comme d'habitude, l'intégralité de la recette exprimée en pourcentage et en grammes est disponible sur kalibeauty.com. Comme je le disais en introduction, le pouvoir moussant d'un produit n'indique pas son niveau de détergence, donc ne vous fiez pas trop à la mousse. Ceci étant, ici je vous propose une recette qui reste très douce pour le cuir chevelu et le cheveu, mais qui en même temps vous permettra de retrouver cette sensation de petite bulle légère. J'utilise ici le shampoing végétal en poudre dont je vous ai donné la recette il y a peu sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la consulter. J'utilise donc 16% de cette base de shampoing et il y a déjà incorporé à l'intérieur 1% de gomme xanthane. J'intègre 67% d'eau pure préalablement tiédie et je vais l'incorporer petit à petit et bien mélanger entre les différents ajouts. Je poursuis en intégrant les ingrédients de mon bécher qui comprend 3% de glycérine et 10% de SCG, sodium, cocoïl, glutamate. Là encore, je mélange bien la préparation. Je vais ensuite intégrer 2% d'onyquat et 1% de causeguar pour une bonne conservation. Et mon shampoing est prêt. Il faut toutefois le laisser reposer. Je vous conseille de le mettre de côté une petite heure et il va gagner en épaisseur et en viscosité. Il suffit ensuite de le conditionner en flacon. Je vous montre en image une petite démonstration du faible pouvoir moussant, mais vous voyez bien qu'il y a quand même des bulles et ça crée vraiment une petite émulsion, donc on le sent sous le doigt et on le sent aussi à l'application. J'espère ainsi donner à tous l'opportunité de tester ce type de shampoing, y compris ceux qui sont accros à la mousse. J'espère que cette toute nouvelle recette vous a plu. Si tel est le cas, faites-le moi savoir, laissez-moi toutes vos impressions en commentaire. Soutenez mon travail en likant la vidéo et aussi en la repartageant auprès de tous vos contacts sur les réseaux sociaux. Et si tu es nouveau par ici, je t'informe que tu as à disposition sur le site de mes ouvrages au format e-book en téléchargement. A bientôt les Kalinettes! We'll be right back.